Aiguillon électrique à pleine puissance. Vélociraptor ? Non, pas Vélociraptor. Peut-être que l'un des autres sites de fouilles a eu plus de chance. Et pour qui vous prenez-vous ? John Hammond, je possède une île, une sorte de réserve biologique. Une vraie réussite. J'ai dépensé sans compter. Nos attractions vont complètement affoler les enfants. Si je pouvais vous persuader de donner votre aval sur le parc, je terminerais dans les temps. De quel genre de parc s'agit-il? C'est pile dans vos cordes. Alors vous deux, vous déférez les dinosaures. Eh bien... on essaie. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité. Surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Sois clair, John. Vos actionnaires que je représente sont extrêmement inquiets. S'ils ne sont pas convaincus dans 48 heures, je ne suis pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Alan, cette variété de Veriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est un... cette chose... C'est un dinosaure. Nous allons faire une fortune avec ce parc. Ils sont rapides. Nous avons chronométré le T-Rex à 40 km/h. T-Rex ? Vous avez un T-Rex ? Redites ça. On a un T-Rex. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Le parc d'attractions le plus futuriste du monde entier. Prenez place, s'il vous plaît. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de molécules d'ADN, les fondations de la vie. Il y a 100 millions d'années, il y avait les moustiques, comme aujourd'hui. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique se posait sur une branche d'arbre et se collait dans la sève. La résine durcit s'est fossilisée. Grâce à des techniques sophistiquées, les savants du parc extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et... bingo! Voilà l'ADN dino. Bonjour, Henri. Oh, bonjour, monsieur. Pile dans les temps. Leur mémoire fixe.
la première créature qu'il voit en venant au monde. Voilà. John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Une chose que l'histoire de l'évolution nous a appris, c'est que la vie trouve toujours un chemin. De quelle espèce s'agit-il ? C'est un vélociraptor. Ils sont dangereux à 8 mois, mortellement dangereux. J'ai chassé beaucoup de fauves dangereux, mais la façon dont ces saletés se déplacent... 80 à 100 km/h si on les laissait en liberté. Ils ont de la mémoire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les nourrissent. C'est l'essence du chaos. Grand-père ! Les enfants ! Tu m'as manqué ! Voilà vos moyens de transport pour l'après-midi. Il n'y a pas de chauffeur ? Non, 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 pas de chauffeur. Elles sont électriques. Elles suivent ce rail au milieu du chemin, là. J'ai dépensé sans compter. Bienvenue à Jurassic Park. Et cette théorie du chaos ? L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil. Regardez ça, j'ai raison. Vous voyez ? Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan ! Waouh ! N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Elle est malade. Je dois insister, il faut que nous partions. Si tu veux bien, j'aimerais rester avec le docteur Harding pour m'occuper du Triceratops, si vous... D'accord. Ça a l'air d'arriver environ toutes les 6 semaines. Il faut que je voie les fientes de ce dinosaure. Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait installer un système de verrouillage sur les portes des véhicules ? Faut mettre le 151 sur la liste des défauts. Nous avons tous les problèmes des grands parcs d'attractions et des grands zoos, et nos ordinateurs ne sont même pas au point. Dennis ? Nos vies sont entre vos mains et vous avez des doigts de plomb. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 8 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paye ? Silence ! Tous les deux ! Ils approchent de l'enclos des tyrannosaures. Et n'oubliez pas, des embryons viables. Ils ne servent à rien s'ils ne survivent pas. 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de l'île. 19h, quai Est. Oh, j'ai fini de débugger le réseau téléphonique. Mais le système va compiler pendant 18 à 20 minutes et quelques réseaux secondaires peuvent subir quelques coupures. Quelqu'un veut un soda ou autre chose ? Ouh là 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 là, les clôtures tombent en panne un peu partout. Tu parles d'un réseau secondaire ? Plus de lignes. Accès programme principal. Ah ah ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Ah, ah, je me demandais si vous auriez l'amabilité de me ramener mes petits-enfants. Ah, 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 d'accord. Je vais avec lui. Qu'est-ce que j'ai touché ? Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Est-ce que t'as senti ? C'est quoi ça ? Comme ça, celui-là.
Quand faut y aller, faut y aller. Tim ? Timmy ! Ça va ? J'ai vomi. C'est pas grave. Donne-moi ta main. Pour ne pas avoir le vertige, tu ne regardes jamais en bas. Ok. Oh non. Allez. Eh bien, nous revoilà dans la voiture. Oui. Au moins, tu es descendu de l'arbre. Où est l'autre voiture ? Alan ! Alan ! Ian ? Ian ? On se risque à le transporter ? Je vous en prie, risquez. Faites-moi penser à remercier John pour ce charmant bouquet. Nous ne trouverons jamais la commande que Nedry a utilisée. Il a trop bien brouillé toutes les pistes. Je refuse ! Il faut couper tout le système. C'est le seul moyen d'effacer toutes les opérations qu'il a faites. Voulez-vous s'il vous plaît couper le système ? C'est bon. Regardez, vous voyez ? Ça fonctionne, ça a marché. La coupure a fait couper les disjoncteurs. 3 minutes et j'aurai rétabli le courant dans tout le parc. Pour plus de sécurité, je veux que tout le monde descende dans le bunker jusqu'à ce que Monsieur Arnold revienne et que tout le système puisse refonctionner. Engager Nedry était une erreur. Je devrais y être maintenant. Thank you.
gentil, le petit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à bouffer? À en juger par la carte, le centre d'accueil est à moins d'un kilomètre. Juste derrière. Wow. Des mangeurs de viande? Des viandosaures? Regardez ce tournoiement, ce changement de direction. C'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Ils volent par ici. Quelque chose d'anormal. Je vais rétablir le courant. Ça n'a rien d'une promenade de santé. Je crois que je peux suivre ça et vous servir de guide. Bon, on y va. Suivez-moi, par ici. Monsieur Arnold ! Monsieur Arnold ! Monsieur Arnold, ça y est, les affaires... Courez, il est à moi. Petite futée. Vous êtes là? Bon. Je vais aller chercher les autres. Je reviens vite. C'est promis. De contrôle. On peut demander de l'aide? Il faut d'abord remettre le système en marche. Ellie, verrouille la porte!
va-t'en ! Va verrouiller la porte ! N'arrivera pas à la tuer tout seul ! Après avoir étudié la question, j'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. Moi aussi. Thank you.